Shalom, shalom, soyez tous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est la sœur Marcel Vagba. Mon frère, ma sœur en Christ, par jalousie, par méchanceté, des hommes peuvent se lever contre toi. Des hommes peuvent te combattre. Des hommes peuvent attaquer ton étoile, ta santé, tes finances, ton mariage, ta maison, ton travail, tes projets, tes réalisations, tes bénédictions, ta fécondité, le fruit de tes entrailles. Mon frère, ma sœur en Christ, tu dois te lever dans la prière. Tu dois te lever et prier contre eux avec la parole de Dieu. Tu ne dois pas fermer la bouche et souffrir, gémir, pleurer. Tu dois demander l'aide de Dieu pour que tes ennemis te lâchent, pour que tes ennemis reculent, chancellent, tombent, disparaissent. Tu dois prier Dieu pour qu'il te mette au large, pour qu'il te sauve, pour qu'il fasse plier sous toi tes ennemis, pour qu'ils frappent tes ennemis. La parole de Dieu nous dit dans Psaume 68 au verset 21, Dieu est pour nous le Dieu des délivrances et l'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. Ce n'est pas anti-biblique de prier contre ses ennemis. Non. Ce matin, nous allons prier avec la parole de Dieu. Si tu es prêt, si tu es prête, répète après moi. Éternel Dieu, frappe à la joue tous mes ennemis. Brise leurs dents. Selon Psaume 3 au verset 8. Frappe-les comme des coupables, ô Dieu. Que leur dessein amène leur chute. Précipite-les à cause de leurs péchés sans nombre. Selon Psaume 4 au verset 11. Frappe-les d'épouvante, ô Éternel. Selon Psaume 9 au verset 21. Brise les bras de mes ennemis. Punis leur iniquité et qu'ils disparaissent à tes yeux. Selon Psaume 10 au verset 15. Éternel Dieu, fais pleuvoir sur mes ennemis des charbons, du feu et du soufre, et aussi un vent brûlant. Selon Psaume 11 au verset 6. Lance tes flèches et disperse mes ennemis.
Multiplie les coups de la foudre et mets-les en déroute. Selon Psaume 18 au verset 15. Que leur table soit pour eux un piège, eux un filet au sein de leur sécurité. Que leurs yeux s'obscurcissent et ne voient plus, et faire continuellement chanceler leurs reins. Répands sur eux ta colère, et que ton ardente fureur les atteigne. Selon Psaume 69, du verset 23 au verset 25. Éternel Dieu, coupe leurs cordes. Selon Psaume 129 au verset 4. Étends ta main sur leur colère. Selon Psaume 138 au verset 7. Que sur la tête de ceux qui m'environnent retombe l'iniquité de leurs lèvres. Que des charbons ardents soient jetés sur eux. Éternel Dieu, précipite-les dans le feu, dans les abîmes, d'où il ne se relève plus. Selon Psaume 140, du verset 10 au verset 11. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Amen. Amen.